Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Capitaine Guillaume. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans Never Split The Party, qui est un petit jeu gratuit sur Steam. Donc là, on va aller découvrir ensemble. Donc moi, personnellement, je sais que j'y ai déjà joué. Mais là, je voulais vous le faire découvrir parce que franchement, c'est un jeu que je ne me passe plus. Donc, on va prendre la première classe. Alors, sur Steam, le jeu est gratuit, donc, mais si vous voulez... À partir de Rogue, Mercenaire, Ranger, Mage et Maître des Bêtes, il faut acheter juste un petit pack à 16 euros. Donc on va prendre Combattant. Et on commence direct parce que récupérer les objets d'ici, ça ne sert à rien. Salintello. Ah, donc là, comme vous pouvez le voir, il y a 5 salles. Il y a un boss dans chaque salle. Et la vie ne se régénère pas entre les boss, entre les niveaux du moins. Donc j'ai baissé la musique parce que ça saturait à mort tout à l'heure. J'ai dû recommencer plusieurs fois. Une pièce. Mais j'ai pas de clé. Donc là on va partir, parce que je regarde ma carte. De toute façon, il y a ça l'inconnu. Alors on va partir en bas. Ah, les flambis sur pattes. Yep. Donc c'est un jeu là actuellement je suis en solo mais il y aura sûrement des vidéos où je serai avec d'autres joueurs. Alors, tiens donc la belle salle là. Cette salle là c'est la salle du boss. On va pas y aller maintenant. On va attendre. Oh! Alors! Ouch! Là je suis très mal parti. J'ai quand même ici. Donc là, comme vous avez pu le voir, les tornades, ils se déplacent rapidement et ils font mal. Le petit gabeleux qui courait partout, lui, son truc favori, c'est de vous taper et donc ça vous téléporte dans une autre pièce. Bien sûr que soit vous avez de la chance et il n'y a pas de créature, soit le destin est contre vous et vous vous faites niquer. Donc je casse les pots pour voir s'il n'y aurait pas un petit cœur au moins. Pas visé aujourd'hui. Non, non, il va pas y avoir de cœur. Hein. Donc c'est pas grave, si on meurt, on recommence. Oh. Bah, nickel, des tornades et à tout le monde. Oh, en plus, il y a une belle salle porte rouge là. J'en ai niqué un. Allez, super. J'ai tous mes cœurs, j'arrive pas à les tuer. Il me reste plus qu'un demi. Donc en un coup, je suis mort. Et là, si je les tue, mais. Ça m'a l'air d'être une bonne pièce. À moins que j'y suis déjà y allé. Non, je suis pas encore y aller ici. Donc des fois, ça peut être trompeur. Ah, des coffres. De la vie, s'il te plaît. C'est quoi ça? Augmente la vitesse d'attaque. Oui, mais j'en ai plus rien à cirer, la vitesse d'attaque. Le marchand! Le marchand, le marchand, le marchand. Bon, on va aller se prendre bah, du coup un demi-cœur. Ouais, du coup, en fait, j'arrive à avoir la salle. Donc, les autres coffres, ça sert à rien de les ouvrir. Parce qu'il faut être en ligne. J'ai qu'un cœur, c'est assez serré. Donc, je regarde ma carte, on va aller là. Oh non! Les petits squelettes. Wouh, dis donc! Ouch. Ah, bah là, c'est moi, je vais mourir avec eux qui me lancent des. Oh! Ah! Ils se régénèrent. Bon. J'en étais sûr. J'en étais sûr. La musique elle est pas top. Hein. Bon. Ça on en a rien à cirer. Ah d'accord, il y a un temps de latence. Bon. Allez, on y retourne avec la même classe. Et cette fois-ci, bon, allez, dès qu'il y a le boss,
On y va, on fait les fifous. Là, c'était un tour de chauffe. Super, sur notre droite, on a une belle salle. On va y aller direct. Ça me décoffre. Ça fait quoi? Ah, la richesse, c'est ce qui permet à l'homme de penser. Si jamais encore on peut tomber. Oh! Ils sont beaucoup plus rapides que moi. Ah, un bout de dipôt là. Si j'arrive au moins à tuer une tornade, les deux tornades, je peux gérer. Ah, il se bloque dans les petites statues là. Ah, franchement, comme petit jeu au début, j'étais pas très fan, mais à force de jouer, j'en suis devenu addictif. Elle est où la petite salle du boss là? Ça me plairait bien une petite salle de boss. Ouais, le cassage des pots, ça, moi ça me fait clairement penser à Zelda. Hein. On arrive dans une pièce, là, on casse toute la poterie. Des petits pics. Des petits pics. Est-ce qu'on va là-haut ou en bas? On va aller vers le haut. Oh bah nickel. Ah, on a pu tester la téléportation. J'ai perdu un cœur quand même. Et comme vous avez pu le remarquer, on n'en gagne pas tout le temps de la vie. En plus, il n'y a même pas la salle du boss. Oh bah nickel. Ah! La salle du boss est juste à côté. Là, faut regarder les petits os là. Vite que je tape. Ah, nickel, il est mort. Faut se concentrer sur la. Sur les petits zones. Ah, c'est bon, une fois à terre, ils sont morts. Allez, c'est. Allez, allez, meurs, meurs, meurs. Ouais, parce que si on le tue pas, il se relève. Bon, on va les terminer là-dessus. Clairement, si c'est le boss que je pense, on va se faire la... je vais me faire laminer. Sûr. Pour moi, ça va être le. Une sorte de papillon électrique là. Voilà. Moi, ça va être le papillon électrique et voilà, c'est lui. C'est pas vraiment un papillon. Les cercles rouges, c'est les équipes. Ah, c'est dès qu'on le touche, on perd un demi-cœur. Donc voilà, les amis, je me suis fait foudroyer. Ah, je vous laisse aimer la musique. Franchement, on arrivera à le battre. Hein. Bon, et bien voilà, les amis. C'est déjà la fin de cette vidéo sur Neversplit The Party. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où là, cette fois-ci, on va tester la classe Claire. Grande vitalité. Franchement, normalement, avec cette classe, on devrait mieux gérer. Bon, allez, les amis. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'était Capitaine Guillaume. Fin de transmission.